Et ça, gamin, comme ça m'énerve. Oula, attends. Pardon, excuse-moi. Oui. Kyle. C'était juste d'ailleurs. Tenez, j'ai chipé quelques pièces à mon père, c'est trop sympa. Allez. 2000 points d'XP? Waouh! Bon bah messieurs dames, il va y avoir un level up dans très peu de temps en fait. Très bien. Quête terminée, prime pour les brigands. Alors du coup, journal d'Arval. Intéresserait le seigneur Nasher. Ouh, oui. Ça va être très bien. Bon, Natrice, on fera ça juste après. Bon. Les quêtes de Khelgar, pour le moment, on va laisser ça comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le collectionneur qui était juste, juste en face, en fait. La maison du collectionneur, c'est celle-là. C'est totalement celle-ci. Parfait. Donc, dans ce cas, une sauvegarde. On va mettre collectionneur, histoire de ne pas se tromper. Et on y va. Évidemment, on crochète la porte. Personne à droite, personne à gauche. Je sais pas de quoi vous parlez, madame. Réussi. Entrons de manière discrète. Que tout le monde reste frais. Ah, tout le monde a un petit malus de force. Ça va partir. Oups là! Non, vous m'avez. Non, messieurs, non, messieurs. Messieurs, allons, voyons. Qu'est-ce que vous faites? De quoi me parlez-vous, messieurs? Je ne sais. De quoi me parlez-vous, messieurs? Je ne sais pas qui vous êtes. Je suis un ami du collectionneur. Kara, c'est quand tu veux. Il y a un magicien. Kara, c'est quand tu veux. Kara, c'est quand tu veux, hein. Semblerait-il que ce soit jamais, en fait. Mais bon. Ah, ils ont quand même pas mal de vie ces gens. Ces gens ont quand même beaucoup de vie en effet. Je me suis peut-être mal préparé. Je me suis très très mal préparé semble-t-il. Très bien. On va dire que on n'a rien vu. On va dire qu'il s'est rien passé. C'est une très mauvaise stratégie. Partons là-dessus. Partons sur le fait que très mauvaise stratégie, ça s'est très mal passé. C'est la meilleure chose à faire. Donc, là. Voilà. Bon. Alors, maintenant que je sais ce qui m'attend. J'ouvre la route. Alors. Contentez-vous de suivre. Bouclier. On va mettre quelques armures, évidemment. Et voilà. Et juste après, un petit peu de résistance. Ah, c'est vrai que j'ai un sort comme ça, moi. J'avais oublié. Voilà. Et Nishka. Voilà. Je me prépare, je me fais pas avoir cette fois. Parfait. Parfait, que tout ça. Bon, messieurs, dames, j'espère qu'on est prêt. On va pas se faire avoir cette fois-ci. Bagarre, c'est lui le plus important. J'ai dit la bagarre en fait, les gars. La bagarre, les gars. La fucking bagarre. Toi, occupe-toi de lui. Voilà. Oh bah, level up, comme je le pensais. Ils ont tous une très belle moustache dans leur petite tête d'avatar. Je
Allez, lui s'il vous plaît. Parfait, bah voilà. Bah ça s'est beaucoup mieux passé hein. Est-ce que je peux monter mes niveaux tranquille là? Surveillant. Ah non, serviteur. Bon. On va attendre cependant de prendre le niveau. Parfait. Niveau suivant. Ah, j'ai un petit point de plus. Je vais le mettre dans dans mes points de vie. Pour... À moins que ce soit recommandé. Dans ma dextérité, non. Non, non, non. Même pas en rêve. Oui, dans ma dextérité. Non, je vais le mettre... Ah, ou alors un tout petit peu plus de force. Ouais, ce sera bien. Ça, je vais les mettre en recommandé. Ah, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Qu'est-ce qu'on me recommande? Négociation, confère un bonus de plus 2 sur les tests de diplomatie et bluff. Ah, ça, c'est ça, par contre, très utile. Je prends. Alors, force plus 1, plus 8, escamotage, change des pièces, négociation. Parfait. Quel gars? Hop, hop. Plus 100 dans la force, oui, très bien. Et maîtrise du critique, hache de Garnen. Ah, intéressant. Quand vous combattez avec l'objet, l'arme choisie, très bien. Donc il me faut une hache de Garnen. Très bien. Et un deuxième don. Arme de prédilection supérieure, hache de Garnen. Parfait, ça va se cumuler. Donc là déjà, oui. Il me faut une hache de Garnen pour qu'il gare. Car ça va être dans l'intelligence. Non, même pas dans l'intelligence. J'ai pas vu dans quoi c'était, dans le charisme. Pourquoi pas? Hop. Incantation silencieuse. Capable de lancer les niveaux des sorts de premier niveau. Très bien. Description, les sorts silencieux sont lancés sans composante verbale. Un sort silencieux compte comme un sort supérieur. Pas mal. Et en nouveau sort de niveau 6, désintégration. Oh. Transmutation, composante verbale gestuelle, enfin rayon vert par du doigt pointé. Et ben ça a l'air pas mal. Maximum 40d6. Impeccable. Je peux t'aider? Nishka, Nishka, Nishka. Bon, pas grand chose. Et Chandrajiro. Très bien. Un point dans la dextérité. Dans la dextérité, très bien. Et un don, qu'est-ce que ça va être? Maîtrise, spécialisation martiale, épée courte. Oui. Et deuxième maîtrise, arme de prédilection supérieure, épée courte. Tout va bien. 14 points de vie, parfait. Et elle a quand même pas mal de vie, Chandrajiro, je viens de voir. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, le combat est ok. Tout va bien. Il est, je pense... Monsieur le serviteur, écoute-moi bien. Suivez-moi! Non, il est... Serviteur. Ah, mais je peux. Ne me tuez pas, je n'ai aucune intention, taisez-vous. Juste. Chut, je prends ceci. Je ne vais pas te tuer. Je vais juste. Aller dans cette pièce. Une malle. Oh, petite malle. Trousse de premier secours, malachite et shuriken. Oh, il y a des mâles partout. Améthyste, hache de lancer. Ah, ah, ça, ça va se vendre un tout petit peu cher. Un coffre piégé, bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. Évidemment, maîtrise du sabotage et maîtrise du crochetage. Benishka qui a tout fait elle-même. Parfait. Deux petites topazes. C'est très bien. Ouh, ça, c'est... Très très intéressant, ça doit valoir quelques pièces. Ah, j'avais oublié qu'il y avait des petits drops, oui. Une alexandrite, oui. Citoyen illustre de la Côte des Épées. Oui, Sword Coast, très bien. Un livre, très bien. Et ici, qu'avons-nous? Ah, deux étages. Et une porte. Bonjour, oh, bonjour madame. Ah, je refuse qu'on me fasse attendre de la sorte. Je cherche des intrus, madame. Retournez dans la porte d'entrée, vous serez plus utile. Qu'est-ce que. Oh, oh, bien vu, Kara. Bien vu, Kara. Bien vu, Kara. Kara, bien vu. Heureusement que t'es resté en arrière. Ce n'est rien, madame. Ce n'est rien. Vous n'avez rien entendu. Il s'est rien passé. Je vérifie cette armoire, madame.
Je vérifie qu'il n'y a pas de voleur ici. On ne sait jamais, madame. Vous savez, ces voleurs aujourd'hui. Non, il n'y a rien ici, madame. C'est bon. Je vais vérifier quand même qu'il n'est pas caché ici. Ce jour-là est davantage un inventaire de dons hors de prix qu'un livre de confession. Remarque cependant une entrée intéressante à une date récente. Je suis tombé dessus, non pas dans la salle des ventes, mais, et pas davantage dans l'une des galeries de luxe, mais au beau milieu d'un tas d'immondices dans la rue. J'ai voulu placer cet objet à côté de mes plus beaux originaux, mais je les surpasse tous. J'en proposerai bien dans la salle des coffres, mais j'éprouve le besoin pressant d'admirer à tout moment il y a une autre période de ma vie, j'aurais pu y vivre. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce que votre mari a pu trouver? Excusez-moi, madame, je veux que vous m'aidiez. Je ne veux pas mentir à une femme si exceptionnelle. Eh bien, j'imagine que je peux pas dire non, collectionneur. Je pense que vous pourriez lui apprendre une chose ou deux. Prenez cette clé, vous ouvrirez à l'étage supérieur, mais vous aurez besoin du clé A. Oh, à quoi pensiez-vous? Je serai votre otage, prévenez-moi quand vous... Oh! Madame! Madame, je reviens vite. Madame, j'aime beaucoup votre façon de faire. Oh, j'adore ça. J'aime beaucoup votre façon de faire, madame. Allons-y, madame. Ah, amenez-moi au collectionneur. Oh oui. L'étage supérieur, très bien. Collectionneur. Bon sang. Il a dit que je me tuerais si je ne me pas à toi. Je veux que vous ouvriez la coffre forte pour moi. Ils ne plaisantent pas, ils ont tué mes gardes du corps. Oh, ils vont me tuer. Ils te tueront de toute façon. Oh. H. Oh. Je pleurerai toutes les larmes de mon corps à ta mort. Tania, sache que mes soulignages sont plus. Ah. J'ai besoin de sa clé. J'ai besoin de sa clé, Tania. Il n'a pas que la clé, il y a d'autres choses que vous devez savoir, je crois que je n'ai plus aucune raison de me taire, pardon. C'est qu'il n'y a plus... Oh quoi? Il s'arrête toujours près de la cheminée et d'une de ses bibliothèques dans la pièce suivante. Tiens. Tania, vous m'avez aidé. Ouais, de quoi commencer votre vie. Très bien. Ouvrez-moi la porte, la chambre. Oui. Je reviendrai chez vous. Ne vous en faites pas, monsieur. Je vais juste voler. Bon, dis donc. Parchemin. Oh, 5000 pièces d'or. Oh là 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 là. Je prends tout. Alors, il s'arrête près d'une cheminée et de l'une de ses bibliothèques. Je suppose que je ne peux pas crocheter cette serrure, évidemment. Vers le rez-de-chaussée, très bien. La porte de la chambre fort pour ces deux serrures, une combinaison à trois chiffres. Cheminée, très bien. Tendre la main. Le feu est trop chaud pour que vous attrapiez l'objet. Ah, tendre la main. Non, il faut que je... Et l'une de ces bibliothèques, étagère. Très bien. Le grand livre des berceuses numérologiques pour nous recenser édition originale. Lucas, son livre a été composé. Voilà le poème de cette page. Pris tous les trois, nous sommes 9. Le dernier Oxy reste 6. Aucun ne survivra au premier moins 5. J'ai rien compris. Tout sur les desserts. Pardon. Ah! C'était un piège. Ah non, je l'ai obtenu, d'accord. Parce que j'ai cru que j'avais explosé le bouquin. Ce livre semble vaguement instable quand vous le tenez. Ah, ça explique quelque chose. Je peux toujours pas me reposer ici. Bon. Ne pas y toucher. Ouais, mais il faut que je tende la main, du coup. Kara. J'ouvre la route. Vas-y, Kara. Non. Suivez-moi tous. Mishka. Non. Bon, vieil homme, ça commence à m'énerver cette histoire. Tu vas me dire comment je fais.
Simplement les toilettes, j'en reviendrai votre clé quand je trouve un moyen de vous briser. Alors. C'est une énigme. On est d'accord là-dessus. On est d'accord que c'est une énigme. Maintenant, il faut trouver l'énigme. Saisir une combinaison. J'ai pas accès à mon inventaire, super. Hop là. Petit Hector et frère, ce contrairement il semble avoir été compulsé, très souvent, et l'une des pages est nettement écornée. Alors, pris tous les 3, nous sommes 9. Donc 3, 9, 6, 1, 5. Donc je vais essayer 3, 9, 6, 1, 5, on va voir. Ah, c'est 3 chiffres. Ah, bah non. Il y a une énigme, j'ai trouvé l'énigme, je l'ai trouvée. Très bien, alors j'ai compris l'énigme. C'est à trois inconnus. Les trois chiffres sont égales. La somme des trois chiffres sont égales à 9. En enlevant le dernier chiffre, ça veut dire que le premier et le deuxième sont égales à 6. Et donc, aucun ne survivra au premier moins 5. C'est-à-dire que le premier, c'est. Les 9 moins 5. Donc, il est fort possible que le premier chiffre soit 4. Mais du coup, ça veut dire que ce serait 4, 2 et 3. Je vais partir sur 1, 4, 2, 3, moi. On va voir si ça marche. On va voir si je suis fort. On va voir si j'ai compris l'énigme. Donc, on y va. Faire une combinaison 4, 2, 3. Oui! Ah! Ah shit, c'est la garde! C'est la garde! Aïe aïe aïe, c'est la garde! C'est la garde, c'est la garde! D'accord. Bon, on va faire ça autrement, hein, du coup. Bon, je bloque sur l'énigme, il y a un truc qui me plaît pas. Du coup, je vais juste descendre. Normalement, si je descends, tout va bien. Mais il y a un truc que j'ai dû oublier. Et c'est probablement le cas. Il y a forcément quelque chose que j'ai oublié juste avant. Il y a quelque chose que j'ai dû zapper. Qu'est-ce que j'ai zappé? Un indice quelque part, sûrement. Non, y a rien, y a rien. Par là? Non. Serviteur. Il y a un serviteur à qui je pouvais parler. Peut-être que il pouvait me donner une info. Non, j'ai pas d'info. Ah, lui. Ah, Vazao, tiens. Est-ce que par hasard... Ah, j'avais une flasque vide. Oh, attendez une seconde. Est-ce que par hasard, ce serait pas une petite énigme comme ça à base de mettre de l'eau dans le foyer de la cheminée pour récupérer plus facilement ce qu'il y a dedans. Ce serait... Non. Ouais, quelque... Bah, tourne la main. Une clé ouvragée en argent. J'ai un premier... une première serrure et du coup, je peux le faire chanter maintenant. Non, ça c'est pas ça. On va voir si. Donc du coup, je peux déjà mettre la première clé.
Clé de la cheminée, oui. Insérer la clé de la cheminée. C'est tout? Non, il y a une autre serrure, c'est ça. Oui, il me faut une autre combinaison. Il me faut toujours cette saleté de combinaison. Ok, je l'ai. Ça y est, je viens de trouver. J'avais raison au moins sur le dernier chiffre, mais le premier et le deuxième, je m'étais trompé. J'ai mal compris. En fait, aucun ne survit au premier moins 5, c'est que le premier chiffre, c'est 5, c'est ça le truc. Et donc du coup, on sait que le dernier, si on l'enlève, ça fait 6, donc c'est 3 le dernier. Et donc du coup, par déduction, le deuxième, c'est 1, donc ça fait 5, 1 et 3. Oui, parfait. Bon, maintenant, il me faut sa saleté de clé à lui. Et qu'est-ce qu'il te faut, toi? Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que je peux faire ici, à okay. Il y a forcément un truc quelque part que je vais casser. Je vais l'attaquer, puis je vais le défoncer. Qu'est-ce que c'est que ça? Peinture marine. Oh! Votre clé ou je détruis ce tableau? Donne-moi la clé. Il y a un livre dans la bibliothèque. Oui, très bien. Je pourrais oublier quelque chose par accident. On va voir comment ça fait hancher. Vous me cachez quelque chose? J'ai pu mentionner la mauvaise étagère, je m'en serais douté. Parfait. Au revoir. Il m'a donné sa clé. Oui, il m'a donné sa clé. Merci, enfin. Ça aurait été compliqué, mais c'est bon, j'ai la clé. Insérer la clé. Oui. Oui. C'était un piège. Niche. Content de te revoir. L'Eldon. Quelque chose me disait que tu serais là, mais je n'y croyais pas vraiment. Ma pièce. Où est-elle? Comme si j'allais te le dire. Et ce n'est plus ta pièce. Après tout, tu passes ton temps à la perdre, comme tout le reste. Je vais te faire parler s'il le faut. Je la récupérerai. Et que viens-tu voler, petite fille? Tout ceci est à moi. Je n'ai pas peur de toi, L'Eldon. Tu ne peux pas me donner d'ordre. Et par les neuf enfers, tu ne peux pas m'arrêter. Tu crois? Voyons cela. Bagarre! Il est où? Il est où? Bah j'ai. Ah putain, il était derrière, j'avais pas vu. Il était derrière, pardon, j'avais pas vu. Bon, je suis pas full forme, mais je pense que ça va aller extrêmement vite. Oui, ça va aller très vite. Regardez bien, hop là, vous le voyez. Comme c'est un petit boss. Ah non, c'est bon. Tu m'as tué. Je t'attendrai. J'attendrai que tu meurs. Comme moi, j'attends. Allez, meurs, l'Eldon. Tu as perdu maintenant. Tu as tout perdu. C'est réglé du coup, votre Je petit m'attendais problème? à mieux comme dernière parole. Il a toujours beaucoup parlé. Bah. Bon. Prenons ce qu'il nous faut et partons. On perd du temps. Oui, bon. Eh ben, super. Ben, je vais tout prendre en fait. Ah, c'est la fin du... Amulette. Oui, bon. Je ne sais pas ce que ça cache. Un tas d'or. Bon. Je vous l'ai pris. Je ne sais pas combien ça m'a rapporté. Ah, si, il fallait que je descende un peu plus bas. 200 pièces d'or. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce petit endroit tout sympa? Oh, un râtelier d'armure. Oh. Ouh. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Bon, quelle carte tu prends? Totem. Oui, les petits cailloux dessus. Toujours utile. L'or. Des bouquins, ah, les restes de l'Eldon, voyons voir. Bille de fronde, ça peut se revendre. De l'or, évidemment, 160 pièces d'or, 250 pièces d'or et 400 pièces d'or. Eh bien, dis donc, joli, joli pactole. Et c'est
tout ce qu'il y avait ici. Je pense donc que la quête est terminée. Oui, la quête est terminée. Très bien. Eh ben, écoutez, nous en avons terminé avec cette petite quête. Bien, sortons de là. Je vais me reposer. Je vais couper ici pendant pendant très rapidement. Et je vous reprends tout de suite après pour la suite. Je vais juste me reposer, sauvegarder, et puis on fera toujours les petites quêtes avant de s'attaquer au gros de l'acte 2. Parce que quand même, grâce à ces petites quêtes, eh ben, on XP, hein. Et ça, c'est une excellente chose. Impossible de se reposer ici, c'est parce que je suis sur une propriété, c'est ça. Impossible de se reposer... Tu te fiches de moi? Je peux pas me reposer nulle part, même dans la crypte. Je peux me reposer dans la crypte. S'il te plaît. Au moins, fais-moi cet honneur. Je veux me reposer, s'il te plaît. Merci, parfait. On va se reposer du coup dans cette petite crypte. Toujours un peu de force d'écrue, mais ça a disparu pour un des personnages. Je fais une petite save ici. Je coupe et je vous reprends dans quelques secondes, ne vous en faites pas. À tout de suite.